Ça fait toujours plaisir de revenir à l'HDA, c'est là où j'ai fait ma formation en 97 jusqu'en 2000 presque. J'ai fait 3 ans avec le coach Joël Delhabit. Ça fait toujours plaisir de revenir dans un club formateur, devant une ville, et d'avoir une formation exceptionnelle. Bon, le meilleur souvenir, c'est que quand je suis arrivé, on avait été champion de France et champion espoir. On avait gagné le trophée du futur espoir. Je pense que pour ma première année, c'était une des meilleures années de jeunes avec Karim Souchu, Laurent Casalon, Pacelis Morland, Pavel Storozinski, avec un jeune joueur aussi à moi, Guillaume Yango, Rémi, Nicolas Jancou. Je pense qu'on avait une vraie équipe et c'était très intéressant de jouer avec des gars comme ça. Et je pense que ça, c'est un souvenir qu'on garde tout le temps dans un centre de formation. J'ai dit, cette année, fait du très bon boulot avec. Je pense que Jean-Louis, depuis qu'il est arrivé, il fait du bon boulot. Les 3 dernières années, Dijon a fait les playoffs, je crois. Et personne ne nous attendait à ce tournoi-là. L'année dernière, personne ne pensait qu'ils allaient faire les playoffs. Ils ont fini 7e. Cette année, ils ont fait un début de championnat énorme. Et on voit que Jean-Louis fait du bon boulot. Et ils ont un bon groupe. Ils n'ont pas vraiment de superstars. Ils ont beaucoup de gens qui arrivent à jouer avec eux. Et je pense que ça fait plaisir d'avoir la GDA à ce niveau-là.